C'est le EDC pour Synédiction, Sana, Prisa. Alors le but du BDC, c'est de promouvoir toutes les cultures qui sont présentes sur le campus, à travers des événements sur le campus et à l'extérieur. On est pour l'instant, on est 10. Et on attend minimum 6-0, maximum 8. Alors on est organisé, on est hyper horizontal, comme toutes les assos vous ont dit, parce qu'on est tous pareils. Pour l'instant on est 2 coprèses, 2 secrétaires et 2 trésoriers. Mais on a aussi des nouvelles recrues qui font un peu tout, la relation avec les assos culturels par exemple. Et donc ça, on fonctionne tous ensemble, mais on a tous la même voix, tous le même objectif, et donc on travaille tous ensemble et on est d'égal à égal. Alors ça dépend vraiment des semaines. On aura toujours une réunion toutes les semaines, un midi généralement, ou un soir éventuellement. Et quand il y a des gros événements qui arrivent, comme à l'approche de la semaine culturelle, là forcément ce sera plus d'investissement, mais ça s'équilibre très bien sur l'année à mon sens. Et ça ne vous empêchera pas tout au long de l'année de faire quelques autres assos si vous en avez envie. Après, l'investissement est plus grand que d'autres assos, quand même, mais c'est faisable. Donc concrètement, comme vous avez pu hier, on avait le meilleur jeu, c'était le meilleur dynamisme, donc c'est comme ça toute l'année. Vous venez, vous amenez votre force, votre bonne humeur, votre joie de vivre, et ça va aller super bien. Et nous, on veut que vous trouviez votre place avec nous, peu importe d'où vous venez, quelle culture vous voulez représenter, les événements que vous voulez créer. On est là pour s'accompagner les uns les autres, tous ensemble, et faire le meilleur projet possible. Exactement. Rejoignez le BDC, c'est la meilleure chose qui pourra vous arriver.